Cairns, un des groupes leaders sur le marché du fitness et du mobilier de jardin. L'objectif du plan de transformation digitale, c'est pas juste d'ajouter un ou deux outils pour rendre notre vie plus simple au quotidien, mais réellement d'être plus efficace dans notre travail, d'aller chercher de nouveaux clients et de pouvoir mieux piloter notre business. On avait besoin de connaître nos clients, on avait besoin de créer aussi une relation avec eux. On s'est rendu compte que toute cette connaissance client et marché n'était pas du tout présente au sein de l'entreprise. Dynamics 365 nous paraissait essentiel pour mieux gérer la relation client. On est parti de l'ERP, après on a eu Power BI et après on a mis la brique CRM. Site B2B, site B2C, plateforme SAV, on s'est réellement doté de plateformes qui nous permettent de gérer notre activité et de l'optimiser très conséquemment. La deuxième étape dans laquelle on va s'engager maintenant en utilisant l'outil Dynamics 365, c'est driver des campagnes marketing plus ciblées selon le profil des clients, des campagnes marketing plus efficaces. Power BI, c'est la possibilité pour nous de mettre en place des tableaux de bord sur tout ce qu'on veut suivre très précisément. Sales, logistique, finance, l'ensemble des services. Ils ont accès à l'information de manière beaucoup plus rapide, de manière instantanée même, dans l'objectif de fidéliser un client, mais également dans l'objectif d'en gagner, donc dans un objectif de prospection. Ça m'offre un état des lieux très précis de où j'en suis, et deux, c'est un outil de management derrière. Parce que derrière, je peux, moi, challenger mon équipe de direction, et leur dire là t'es en retard, là ça va pas, là c'est très bien. Et eux, avec leurs équipes, idem. La richesse de cet outil-là, c'est ça. C'est offrir des solutions aux dirigeants et aux comités de direction pour pas passer du temps à produire de la donnée, mais au contraire à l'analyser et à prendre après les actions et manager leurs équipes. Notre métier, effectivement, à la base, c'est pas le digital. Donc c'est vrai que Microsoft a développé des outils qui sont fantastiques, mais il y a un point qui est essentiel, c'est d'être aussi bien accompagné dans ce plan de transformation. D'un côté Microsoft sur les outils purs, Apsia sur la mise en place de ces outils, et les deux sont essentiels aujourd'hui pour nous, et c'est ce qui nous permet de jeter les bases pour le futur.